Ensuite, on va mettre du miel. Ok. Une cuillère donc à café, mais bon, un petit peu généreuse quand même. Parce que le mélange soja avec le miel, c'est un mélange qui va très bien ensemble. D'accord. Et encore plus quand on va en relever donc, un petit peu. Donc le plus sucré. Avec, donc du gingembre. Voilà, tu peux mettre deux petites cuillères à café. Voilà, donc on peut prendre du gingembre au milieu. Comme ça, voilà. On continue toujours à piquer, à mélanger pour que le miel donc se mélange bien avec le soja. Ça sent bon. Voilà. Et on peut ajouter une petite pointe de poivre, pas de trop. Pourquoi comme ça. Pas justement. Voilà. Un petit peu de sucre. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc le goût, ça doit être un petit peu salé, un petit peu sucré, et naturellement relevé par ce goût de gingembre. Pique absolument pas, qui donne simplement donc ce parfum du gingembre qui relève ce goût. Vas-y, tu peux mettre tout de suite la. Donc là, on a 500 à 600 grammes de saumon hein, pour 4 personnes et on va couper 4 tailles. On peut toujours partager en deux. C'est vrai que le saumon il est un petit peu plus épais d'un côté que l'autre. Je vous propose de ne pas garder la peau. Voilà. Donc on n'a qu'à suivre, donc c'est pas terrible. On prend le plus proche possible. Maïté. Bon, je suis pas Maïté. Là. Je me suis dit, c'est assez curieux parce que mon nom est Marie-Thérèse, c'est assez curieux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais Marie-Thérèse à la mode asiatique. Ouais. Bon, donc ça, on va laisser de côté. Ok. Donc on a inventé un petit four vapeur. Donc on met 3 petites poubelles. On met l'eau dedans. Voilà. Et puis on pose une assiette, peu importe, hein, toute l'assiette. Et on va poser donc nos morceaux de saumon hein, qu'on a macéré depuis une demi-heure. Ça sent tellement bon. Voilà, on met trois morceaux au sel. Et on va mettre notre couvercle. Yummy. Notre cloche là, voilà. L'intérêt c'est que ça garde tellement. La vapeur a fait tout. Voilà, c'est parfait. Ok. On n'a plus qu'à dresser la table et c'est bon. Bon, moi je prends une petite chance. Bon, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Allez, on mange.